Noël Valeran est un être exceptionnel, décédé prématurément à l'âge de 47 ans en 1985, qui fut tour à tour professeur d'histoire, gestionnaire en milieu universitaire, sous-ministre des Affaires culturelles, administrateur de grand orchestre. C'était un homme aux talents multiples, variés, aussi bien un intellectuel qu'un mélomane, un connaisseur de musique, qui, au cours de sa vie professionnelle, a écrit un certain nombre de textes fondamentaux sur des enjeux comme, par exemple, l'intégration des arts à l'université, la politique culturelle du Québec, la musique, notamment Gustave Mahler. Ce sont des textes qui ont circulé relativement peu et aujourd'hui, il apparaît que ces textes sont toujours vivants. Et l'objectif de cette publication, c'est de faire connaître ce personnage assez exceptionnel et de faire connaître aussi ses principaux écrits sur les enjeux qui nous concernent toujours, comme par exemple la place des arts dans la société par rapport à la politique culturelle ou en milieu universitaire. Et en ce sens-là, j'ai voulu, par ce travail, rendre hommage à un personnage qui a beaucoup contribué à l'évolution de la vie culturelle au Québec, même si cela est finalement peu connu.